Il finit une participation quand même, impliqué dans l'accident. Je ne sais pas pourquoi donner plus de détails là, vu qu'il maintenant il explique sur une participation, enfin sur participation dans toute l'affaire. Et il finit placé en état d'arrestation là, les points de détention ce soir. Pas vraiment mal parti, mais quand même il a avoué qu'il était sur les lieux de l'accident. Mais là, nous, encore dans les détails, il peut expliquer sa participation. Et je suppose, d'ici demain, nous pouvons trouver un petit peu plus clair comment l'accident l'a fait produire exactement. Mais là, il y a une enquête en cours des deux côtés, les deux chauffeurs qui étaient impliqués. Et en cours, il y a plusieurs choses à tirer au clair dedans. Il peut coopérer avec les enquêteurs, il est très serein. Et il fait avec beaucoup de détails, il explique comment, dans quelles circonstances il retrouve lui sur sa tronçon de l'autoroute là. Ce matin de vendredi là. Mais vu que l'enquête n'a pas encore complétée, je ne sais pas pourquoi pas cause plus l'enquête. Nous attendons l'enquête là complétée demain.